Le passeport africain lancé en 2016, ainsi que le protocole relatif à la libre circulation des personnes, aux droits de résidence et aux droits d'établissement de 2018, sont autant d'instruments juridiques capables d'impulser le commerce intra-africain au sein de la ZLECAF. Sur le terrain pourtant, des réticences liées aux défis sécuritaires nationaux freinent son implémentation, plafonnant par conséquent les échanges commerciaux entre États membres de l'Union africaine à 15% en 2022. Et c'est très triste. Nous n'avons que 4 États membres. 4 États membres, c'est bien, mais nous avons besoin d'un minimum de 15 États membres. Et nous n'avons pas ces 15 États membres. Seuls 4 ont ratifié depuis. Nous avons le Mali, nous avons le Niger, le Rwanda et Sao Tomé et Principe. Mais je tiens justement, certains pays n'ont pas ratifié ce protocole, mais on sent aussi une ouverture des frontières. Catalyseur du développement de l'intégration économique, la libre circulation des personnes profite à de nombreux secteurs porteurs de croissance comme le tourisme. Les Seychelles, par exemple, grâce à l'accès sans visa sur le territoire à tous les Africains, ont généré 6% de toutes les recettes touristiques internationales en Afrique orientale en 2021. Si nous pouvons nous déplacer librement à travers les régions, pourquoi ne voulons-nous pas nous déplacer librement à travers le continent? Ce sont des questions importantes que nous devons commencer à nous poser. Donc, nous sommes très heureux de voir que l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est se réunissent à travers les secrétariats et les structures parlementaires des régions pour s'assurer que quelque chose se passe vraiment. Le protocole de l'Union africaine sur la libre circulation contient 11 dispositions relatives à la migration et à la mobilité de la main-d'œuvre. En Afrique, 80% des migrations de travailleurs se font à l'échelle du continent, dont 3,6 millions dans les principaux corridors migratoires d'Afrique de l'Est. Une force ouvrière dont la mobilité pourrait réduire des problèmes tels le manque de création d'emplois, le sous-emploi et le manque de qualifications professionnelles. We started this process before 2 years here in Khartoum. Nous avons lancé ce processus il y a 2 ans à Khartoum. Aujourd'hui, tous les ministres, sauf celui de l'Ouganda, ont signé le protocole de libre circulation et le protocole pour le droit de l'établissement de l'IGAD. C'est une grande réussite pour la région. Le développement du commerce à l'échelle continentale devrait améliorer les revenus des ménages. Des experts prévoient des hausses de salaire de 10,5% pour les femmes et 9,9% pour les hommes d'ici 2035. D'autres inégalités salariales seront réduites avec une hausse de 10,3% de la rémunération des travailleurs non qualifiés et de 9,8% des travailleurs qualifiés. Beaucoup reste encore à faire pour atteindre l'objectif d'une Afrique véritablement intégrée et interconnectée. Des données officielles révèlent que la contribution estimée des migrants au PIB de certains pays africains pourrait atteindre 19%, alors qu'en 2016, la valeur moyenne du PIB africain par habitant était de 2008 dollars. Elle devrait se renchérir à 3 249 dollars en 2030 grâce à la libre circulation des personnes.